RTCI nous réunit. Gros plan. Notre gros plan du jour en compagnie de deux artisanes artistes. Ce sont Isabelle Mazir, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Et puis Hegel Fatmilmili, bonjour, bonsoir. Bon après-midi. Voilà, vous choisissez. Tant qu'il fait encore jour, on peut dire bonjour. Mais en fait, voilà. On verra ça tout à l'heure. Voilà, bienvenue. Alors Isabelle Mazir, c'est Bleu Citron. Hegel Mili, c'est... Richa. Espace Richa. Voilà, et nous allons découvrir d'abord, et avant d'entrer dans notre entretien, de quoi sont faites vos initiatives. On va commencer par le sucré. Tout à fait. Isabelle Mazir, Bleu Citron, ce sont des confitures et c'est aussi du zrir. Exactement, oui, oui. Ça, c'est en fait, c'est tout récent dans l'activité de Bleu Citron, parce que pour être reconnu en tant qu'artisanat, les confitures ne font pas partie de la classification, ce qui est un petit peu étonnant. Et donc, j'ai dû passer un test professionnel pour faire du zrir. Et donc, je me suis rapprochée de ma belle-mère. Je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi ta recette. Et parce qu'il est vraiment excellent. Et donc, c'est une tunisoise. Voilà, donc... Voilà, donc j'ai réussi à reproduire le zrir et j'ai passé le test haut la main. Donc voilà, c'est réussi, c'est vrai que c'est délicieux. Donc je m'en suis toujours délectée et maintenant voilà, je peux lécher la casserole en toute impunité. Super, donc Isabelle Mazir pour Bleu Citron, Hegel Fatmilmili pour l'espace Richa. Voilà, alors l'espace Richa, c'est un espace de mode et de tradition. Qui a été créé le 25 mars 2017. C'est tout récent, mais l'idée est ancienne et ma passion pour notre patrimoine de la mode, esthétique de la mode, est ancienne. Donc je savais que j'allais faire quelque chose dans ce domaine-là et ça s'est réalisé et j'en suis ravie. Voilà, et moi j'appelle ça l'effet Bitounsi, Betounsi, et l'effet également de ce retour en masse des artisans et également de toutes les initiatives qui rassemblent les artisans. C'est un élan. C'est un élan de tout ce qui nous rappelle notre identité. Parce que, bon, il ne faut pas oublier que nous sommes en période de post-révolution, on y est encore. Et donc, quand on se sent menacé d'une manière ou d'une autre, on essaye de se rattacher à ce qu'il y a en nous de plus fort. Et entre tous les Tunisiens, ben, c'est l'identité. Et donc, c'est un peu notre mémoire collective, le patrimoine, que ce soit au niveau de la mode, de tout ce qui est culturel, en fait. Donc, je te rejoins, tout ce qui est culinaire. Oui. Et aussi la musique. Et le cinéma, le théâtre, voilà, donc tout ce qui nous rassemble et tout ce qui nous unit et tout ce qui fait qu'on est une âme. Et donc voilà. Voilà qui est bien dit et je reviens vers vous Isabelle Mazir, d'abord pour une question d'actualité. Est-ce que vous allez participer au bazar diplomatique de bienfaisance? Oui, absolument. Donc on a toujours participé au bazar d'Angela et cette année il a pris une proportion un peu plus importante puisqu'elle s'est rapprochée donc du bazar diplomatique. Donc ça va être un grand événement qui va avoir lieu dimanche. De 10 à 16 heures si mes souvenirs sont bons, au parc d'exposition du CRAM. Donc il va y avoir beaucoup de surprises, paraît-il, on n'est pas encore au courant de tout. Donc ça va être, même pour les artisans, donc une centaine d'artisans tunisiens et aussi étrangers comme moi, parce qu'il n'y a pas que des Tunisiens qui aiment aussi la Tunisie et qui proposent beaucoup de choses. Donc des artisans tunisiens, des artisans étrangers, 26 pays, il va y avoir un très beau buffet international. Beaucoup de surprises, je suppose qu'il va y avoir des danses, des musiques, enfin, ça va être magnifique. L'entrée payante, c'est 2 dinars, mais je pense que pour faire un voyage aussi superbe et exceptionnel, puisque dans un même endroit, donc on va voyager sur les différents continents et aussi explorer toute la richesse de la Tunisie, puisqu'il va y avoir aussi beaucoup d'artisanat tunisien. Super. Alors, vous en serez, Hegel Fatmi? Non, malheureusement, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. On est trop pris par tout ce qui est 31 décembre, fête. Et donc, pour préparer quelque chose, ou plutôt une petite collection, pour nous, c'est beaucoup plus lourd. Donc, on préfère être peut-être de la partie pour la foire d'avril. Très bien. Plutôt, 2018.
Très bien. Alors, on va rester ensemble, on va prendre une petite parenthèse musicale, au goût de surprise également, et nous allons retrouver nos invités dans un petit instant. Restez avec nous, nous sommes en compagnie d'Isabelle Mazir pour Bleu Citron et de Hejr El-Fat Milmili pour l'espace Richa. Gros plan. Nous sommes en compagnie de Isabelle Mazir pour la gamme Bleu Citron, de Confiture entre autres et également de Zrira l'Ancienne. Et nous sommes également avec Hejr El-Fatmi El-Mili pour l'espace Richa. Notre gros plan, c'est artistes et artisanat entre tradition et innovation. Nous allons tout de suite ouvrir un éclairage sur Bleu Citron avec Isabelle Mazir. Et tout de suite après, nous reprendrons avec Hejr El-Fatmi El-Mili pour parler de l'espace Richa et de son projet. Isabelle Mazir, vous nous expliquiez donc Confiture Bio et également Zrir à l'ancienne, et puis un projet qui reste tout de même un projet de tradition-innovation. Absolument. En fait, les confitures ne sont pas vraiment bio, parce que pour être bio, il faut aussi utiliser du sucre bio. Moi, je préfère dire naturel, pour être vraiment honnête. Quelquefois, quand j'utilise les oranges ou les citrons de mon jardin, c'est vrai, ils sont bio, mais ce n'est pas le cas de tous les fruits. Donc, je ne veux pas dire que c'est du bio. Et puis, ça coûterait vraiment très, très cher. Et il faut utiliser du sucre de canne, ce qui n'apporte rien de spécifique. En plus, ça modifie le goût du fruit. Ça fonce aussi la confiture. Donc, autant utiliser du sucre tout à fait, du saccharose normal. Et on obtient de délicieuses confitures, puisqu'on utilise 70% de fruits. Donc, on retire un petit peu de sucre. Donc, on sent vraiment, le goût du fruit est vraiment présent. Donc, c'est vraiment l'essentiel. Et effectivement, on essaye de moderniser un petit peu les confitures avec des épices, avec une touche d'originalité. Même les fleurs y passent. Donc, très bien. C'est magnifique. Et vous êtes installé au Cap Bon, et voilà. Donc je pense que les oranges, les citrons... Ah bah c'est le paradis des oranges, d'ailleurs d'où le nom de Bleu Citron, en fait, le citron, bien sûr, puisqu'on produit énormément de citrons, et j'ai un citronnier dans mon jardin, et le bleu de la Méditerranée, donc j'ai trouvé le nom, il me plaisait beaucoup. C'est Byzance. C'est très joli. Absolument. Et comme nous disions tout à l'heure, en fait, lorsqu'on dit Isabelle et Zrir, ça peut effectivement détonner un peu, mais quand on ajoute Mazir, ça ne détonne plus du tout. Absolument, voilà, oui, Mazir, c'est une famille assez ancienne en Tunisie, très connue. Il y a même une impasse dans la Médina, mon mari m'a dit. J'attends encore qu'il me la fasse visiter, cette impasse. Mais voilà, donc c'est un nom qui est connu. Et effectivement, ma belle-mère fait un excellent Zrir. J'ai eu droit, effectivement, quand j'ai accouché. C'est là que c'est la première fois que j'ai goûté à cette spécialité. Et vraiment, j'ai dit, c'est vraiment excellent. Et jamais j'aurais pensé en faire une fois dans ma vie. Jamais. Pour moi, c'était laisser... aux femmes de la famille qui le font très très bien. Et donc voilà, je m'y suis mise, puisqu'il faut suivre la réglementation de l'artisanat, donc, et c'est un grand plaisir. Donc j'en ai fait d'ailleurs hier, et j'ai léché la casserole, je l'avoue. Très bien. Alors Zrir, c'est sésame et miel, n'est-ce pas ? C'est sésame et noisette. Voilà, bien sûr on peut faire introduire d'autres fruits secs, mais franchement le mélange sésame, il y a un sirop de sucre, la pâte de sésame, la pâte de noisette, et puis du beurre. C'est très 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 léger. Et ensuite, on rajoute bien sûr du miel. Et là, c'est vraiment magnifique à la fin de la cuisson. Et c'est excellent. Très bien. Et pour vos confitures, vous êtes sur quel fruit ? Actuellement, bien écoutez, c'est les grenades. On est en pleine saison des grenades. Donc, c'est les grenades, les coings. Aussi, on est en pleine saison des coings. Bientôt, on va attaquer aussi les agrumes. Pour l'instant, c'est le début de la saison, donc ils sont encore un petit peu acides. On attend vraiment la pleine saison. C'est janvier où on fait le plus de... Et là, on fait aussi la confiture de Noël, puisque ça approche les fêtes de fin d'année. Donc là, celle-ci est faite avec beaucoup de fruits secs et des fruits séchés. La confiture de Noël. Donc c'est et des épices. Donc c'est un mélange qui est absolument délicieux. Très roboratif aussi, très revigorant et beaucoup d'épices. L'année dernière, du côté de Nabeul, il y avait eu un marché de Noël. Oui, il y a eu plusieurs marchés de Noël, donc on y participe aussi. Cette année également ? Voilà, chaque année, il y a plusieurs marchés de Noël. Donc la DFE en organise un le 9, il y en a d'autres, un groupe d'amis qui en organise un le 3. Il y a aussi au lycée de la Marsa, il y a aussi des ventes, il y a à Sousse, enfin voilà. Donc c'est vrai que la période de fin d'année est assez riche en événements. Tout et c'est un plaisir de faire goûter
aux gens toutes les spécialités. Donc c'est de discuter, d'expliquer comment on les fait avec... C'est un échange, franchement c'est un échange, et même les clients nous donnent leurs recettes, posent beaucoup de questions, donc c'est vraiment interactif, c'est intéressant. Très bien, alors votre prochaine présence dans le grand public, ça va être le 19 novembre. Exactement, ce dimanche. Pour le bazar diplomatique. Pour le bazar diplomatique, et ça va être, je suis sûre, quelque chose de très 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 intéressant. Donc, magnifique, vraiment. Et si l'on veut retrouver vos produits, il faut venir vers vous, ou bien est-ce que vous êtes présente? Il y a des points de vente, il suffit d'ailleurs se rendre sur le blog. Et donc, on a toute la liste de nos points de vente. Donc, le blog, c'est bleucitronwibly.com. Il suffit de rechercher sur Internet et on trouve toujours la réponse sur Internet. Super. Vous restez avec nous, Isabelle Mazir. Nous n'avons pas fini de discuter. Dans quelques instants, nous recevrons également Mariam Azizi, qui nous parlera de musique andalouse et de son récital de ce vendredi, je crois. Ou plutôt de ce samedi, voilà. Mmh. Elle arrive dans le studio 1 dans quelques minutes. Je me tourne vers vous, Hejer Fatmilmili, pour parler de l'espace Richa. C'est un projet qui vous tenait à cœur depuis fort longtemps. Oui, finalement, ce n'est pas ma formation initiale, mais j'ai baigné dans tout ce qui est mode. Ça remonte à une histoire de famille. Mais ma formation, je suis économiste et j'ai été chargée de la coopération internationale dans l'administration publique pendant 30 ans. Et là, donc ce projet a vu le jour. Et mon souci premier, c'était que moi, je portais souvent les jebas, tout le temps. C'est-à-dire, quand je me rendais à une fête, je portais une jeba. Et je voyais depuis quelques années que le caftan marocain avait envahi le marché tunisien. Et je n'ai jamais compris. Et je me disais, mais le caftan est marocain. Et quelles que soient les couches sociales, on trouvait le caftan sous toutes ses formes, que ce soit pour la maison ou alors pour les soirées, que ce soit chargé ou moins chargé, pour les circoncisions. Je me suis dit, pourquoi pas nous? Pourquoi nous n'avons pas un habit traditionnel féminin qui soit généralisé à toutes les femmes? Bon, l'habit traditionnel que tout le monde connaît, qui s'est imposé sur le plan national et même quand la Tunisie va à l'étranger, c'est la foutah ou blouse. Bon, il existe d'autres habits, la malia, voilà. Bon, plusieurs autres choses, mais c'est la foutah ou blouse qui a primé. Mais la foutah ou blouse n'a pas su rester présente jusqu'à aujourd'hui dans toutes les couches sociales. Et je me suis dit, bon, c'est un marché à prendre, entre guillemets. Mais je voulais absolument que la jeba, qui est un habit masculin tunisien, ce n'est pas un habit féminin, la jeba, qu'elle puisse être présente sur le marché tunisien sous toutes ses formes. Et surtout, sa forme originale, c'est-à-dire en lin, ou alors en sakrouda, c'est de la soie, que les hommes portent. Nous sommes proposés de la féminiser à notre façon, parce que, bien entendu, toutes celles qui m'écoutent sauront qu'il y a des adresses déjà établies en Tunisie qui font le kaftan et la jeba, mais le kaftan a beaucoup plus de succès. Parce que de toutes les manières, il existe partout, tout le monde reprend le caftan. Et après, dans cette période de post-révolution, vers ce retour vers l'identité tunisienne, toutes les petites entreprises ou alors les artisans qui font du tunisien revisité. Et il y en a pour tous les goûts et ça se fait de plusieurs manières. Je vais revenir à Richa, parce que Richa... toutes les personnes de ma génération, quand on dit qu'une femme ou un homme a de la riche, entre guillemets, en tunisien, ça veut dire qu'il a de la classe. Et j'avais envie de monter un projet qui était autour de la jeba au féminin, mais qui était riche. C'est-à-dire que pour moi, riche, bon, même si ça a un côté inné en une personne, il y a l'identité personnelle de la personne. Et puis, il y a l'identité qui se joint par la suite de par sa nationalité et son appartenance à une communauté. Et donc, nous avons tenu à ce que ce soit la pièce maîtresse de l'espace riche qui se trouve à la Marsa. Et cette jeba donc est célébrée dans toutes ses nuances, que ce soit en laine très fine, en soie, même en velours pour l'hiver,
Et bien sûr, dans d'autres tissus, parce que nous avons une variété de styles de jupes, en satin, en soie, en dentelle, en mousseline même. Et chaque fois que, selon la circonstance, on y intègre de la broderie authentique. Et là, ça reste notre spécialité, c'est-à-dire que nous n'y intégrons que de la broderie authentique que nous allons chercher dans toute la Tunisie. Ça a un coût assez important, mais ça a une valeur, c'est-à-dire que ça se porte et ça se reporte et ça se transmet. Et c'est ça que je voulais, que ça ait une empreinte particulière et surtout originale et sobre, que ça ait de la classe, surtout au niveau des tissus. Nous avons des tissus de très haute qualité. Nous ne badinons pas sur les tissus ni sur la finition. Et nous faisons des collections très petites pour ne pas avoir à refaire. Il n'y a pas de série. C'est des petites collections qu'on peut porter, reporter. Elles sont confortables pour les femmes dynamiques que nous sommes aujourd'hui. En fait, c'est ça l'idée. Très bien. Voilà. Donc un projet finalement qui est profondément artisanal et puis qui consiste en la restitution et également l'innovation. L'innovation et le tenir à notre identité. Parce que ça n'a pas d'âme. Un habit qui n'a pas d'identité n'a pas d'âme. Et nous tenons à ça plus que tout. Très bien. Voilà donc un gros plan sur Hejer El Fatmi El Mili et l'espace Richa. Un gros plan également sur Isabelle Mazir et le projet Bleu Citron. Oui, encore un mot. Je dirais aussi que suite à la demande de nos clientes, parce que notre projet est très récent, elles nous ont demandé de faire une petite collection cocktail. Toujours avec le même esprit. Sobre, dans de beaux tissus, avec une note toujours traditionnelle, facile à marier. Qu'il n'y ait pas de la broderie partout, que ce soit toujours des petits rappels qu'on puisse porter facilement, qu'une femme d'affaires peut porter, que la Tunisie puisse être représentée dans les séminaires, dans les conférences, sans que ce soit dans les fêtes où c'est beaucoup plus chargé au niveau des broderies. Donc là, pour cette saison-là, cette petite saison, nous avons une collection cocktail, donc courte, facile à porter et toujours avec le même esprit. Très bien, ça vous tente, Isabelle Mazir? Ah oui, là je suis en train de regarder les photos là sur la page Facebook et oui, c'est dites-moi. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Merci. Je ne sais pas si j'oserais porter ce genre de choses. Alors les photos que vous voyez, c'est pour les fêtes. Oui. Nous avons des choses beaucoup plus simples, faciles à porter et je tiens à ce qu'on puisse les porter facilement. Sinon, c'est pas cet esprit-là qu'on voudrait avoir. Je voudrais qu'on puisse porter et reporter la chose. Oui. Très bien. Et tenter par les confitures ? Ah, tout à fait. C'est impeccable. Voilà donc, nous établissons des synergies gourmandes et élégantes. Restez avec nous, mesdames. Hejer El Mili El Fatmi et Isabelle Mazir nous parlent de l'espace Richa et de Bleu Citron. RTCI, 16h39. Retour sur notre plateau en compagnie de Hejer El Mili El Fatmi, Isabelle Mazir et également Mariam Arzizi, qui vient de nous rejoindre et qui va se produire le 18, c'est-à-dire samedi, le 18 novembre à 19h, au musée Safia Farhat, centre d'art vivant de Rades, avec un nouveau spectacle intitulé Andaladino. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, Andaladino, c'est une contraction, voilà, que j'ai inventée, de Andalou et Ladino. Ça vient au départ de ma passion pour les langues et puis de ma passion pour l'histoire. J'ai un père historien, voilà, qui m'a inoculé le virus des musiques du monde depuis mon jeune âge. Et donc je viens aussi du conservatoire, parallèlement à mes études en linguistique française, puisque j'enseigne donc le français en tant qu'enseignante-chercheur. Donc j'étais en France, j'ai monté un trio, donc guitare, percussion et puis chant en oud, moi-même en tant que luthiste. Rentrant en Tunisie, je fais encore des allers-retours, j'ai proposé donc Andaladino au festival de la Médina,
Festival international de la Médina. Mais c'était avec une troupe classique, c'était la formation vraiment classique. Alors, de quoi il s'agit ? Andalédinou, c'est un répertoire mélangé avec des connexions entre la musique andalouse arabe et puis une autre musique andalouse qui est méconnue en Tunisie, mais par contre, elle est chantée en Europe, par exemple par Yasmine Levy, mais également au Maroc, par Samira Qadiri. Sauf que c'est chanté d'une manière lyrique, donc opéra. Alors que moi, dans ma conviction propre, puisque c'est un répertoire médiéval, donc sous le gouvernement, enfin sous les dynasties arabes, certainement, je m'étais dit logiquement, la musique, et quand on écoute, les gammes, elles sont orientales. Donc je m'étais dit, pourquoi ne pas rendre à César, pourquoi ne pas vraiment accentuer le côté oriental, et cette fois-ci, contrairement au Festival de la Médina, avec une touche moderne, donc injecter un esprit moderne. Donc j'ai choisi des musiciens, donc à côté de moi il y aura un bassiste, guitare électrique et puis des percussions un peu modernes, mais en gardant cette touche sur le plan vocal oriental. Très bien. Alors, nous sommes dans la même problématique, hein. Innovation, tradition. Mmh. Nous parlions tout à l'heure de mode, nous avons parlé d'art culinaire, et là, nous parlons de musique également. Et vous voyez que Malé Marzizi est dans un projet espagnol, médiéval, oriental, et groove également, parce que c'est de la musique moderne. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Isabelle ? Non, j'avoue que non. Mais je me ferai un plaisir de l'écouter là maintenant. Très bien. Très bien. J'essaie de mettre. Alors on va continuer à parler donc de musique et puis nous allons découvrir un peu ce que fait Malé Marzizi. Alors je vais vous chanter une de mes chansons qui font partie du répertoire, Ijamia par exemple. Ijamia en espagnol, mais en espagnol médiéval on dit Ijamia. Ça veut dire ma fille. D'accord. Voilà, Ijamia, ma fille. Ijamia mi querida, mana mano te che salamar. Ijamia mi querida, mana mano te che salamar. Che la mar stain, fortuna mira che te vai evar. Che la mar stain, fortuna mira che te vai evar. Che me lleve, che me traiga man a man, se te funtas de un dor. Che me lleve, che me traiga man a man, se te funtas de un dor. Che m'engluta pesce preto per salvar dell'amor. Che m'engluta pesce preto per salvar dell'amor. Bravo. Bravo, c'est joli. Une salve d'applaudissements vient d'être des applaudissements nourris, hein, et je crois qu'ils seront également nourris le 18 novembre à 19h. Côté turc, ça m'a rappelé les Turcs. Exactement, le ladino. Au départ, c'est un répertoire judéo-espagnol. Donc, je m'étais dit, nous, en Tunisie, on chante Raoul Jour, nous, on chante Cheikh Lafrit. Donc, pourquoi ne pas aussi reprendre ce répertoire et le faire connaître au public tunisien, d'autant que ce répertoire a voyagé, puisque les Juifs et les musulmans, ils étaient expulsés à la même période de l'Espagne. Donc, c'était les mêmes problématiques, l'exil, l'arrachement à la terre mère. Et donc, après, on retrouve ce répertoire-là en Turquie, en Grèce également.
Et voilà, au Maghreb, ça serait bien aussi. Voilà. Comme on a le Melouf, c'est pareil. Tout en fait. À fait, c'est, on a le Melouf, c'est andalou. Andalou, donc on a en Tunisie le Melouf, chose que beaucoup de Tunisiens ne connaissent pas, mais certainement que les spécialistes le savent, c'est que la Tunisie, sur le plan en matière de Melouf, on appartient à l'école de Séville. Le Melouf constantinois appartient, si je ne me trompe pas, à Grenade, non, plutôt à Cordoue, et puis le Malhoun marocain dépend de Grenade, de l'école de Grenade, voilà. Donc c'est l'Espagne dans toute sa splendeur. Exactement. Mais pour rejoindre l'influence turque et andalouse, pas qu'au niveau de tout ce qui est musique, la jeuba a été très influencée par les Turcs et les Andalous. C'est pour ça que nous avons la chachée à Istanbul. Et la chachée, l'autre chachée tunisienne, mais en fait, l'Istanbul, elle vient de l'influence turque. Celle qui est... D'ailleurs, nous en avons dans notre espace Richa. Tout à fait. Alors, c'est aussi pour les hommes, alors? Non, c'est pour les femmes. Chachée à Istanbul, pour femmes. On aura tout vu. Hein. Mais c'est ça, la note. C'est le moderne avec la note Tounsi. Et c'est magnifique. Et c'est exactement cela. Vous êtes familière, les femmes ont tous les droits, de toute façon. Exactement, parité. Voilà, exactement. Vous connaissiez ce type de musique? Pas du tout, non. Non, j'avoue que non, non, non. Ah, donc, ce sera l'occasion de venir. Mais c'est vraiment joli. C'est vraiment magnifique. Ouais. Mmh. Et a cappella, on a déjà une belle idée. Mais alors, qu'est-ce que ça doit être avec l'orchestration? Exactement. Mmh. Ouais. Alors, vous serez avec quatre musiciens, percussion, guitare, basse. Voilà, basse, voilà, et clavier. Et clavier, ouais. Bah, c'est parfait. Ouais. Donc c'est très festif. Tout le monde va se régaler. Allez, un dernier tour de table avant les infos de 17h. Un tour de table pour dire qu'on a parlé de grenade, mais ce n'est pas la confiture de grenade. Moi, j'ai compris, en fait. Hein. C'est grenade en bien Espagne. Bien entendu. Granata en arabe. Mais on est pleine saison de grenades. Oui. Hein, pour des confitures. Absolument. Ah, ouais. C'est un fruit qui est d'ailleurs excellent pour la santé. Bon, je ne vais pas dire qu'en confiture, c'est excellent pour la santé, mais c'est très gourmand. Et on y ajoute du sésame, des graines de sésame, des amandes grillées, donc et des pistaches. C'est très, très, très gourmand. Donc, les Tunisiens en raffolent. Ils sont fous de cette confiture, j'avoue. C'est magnifique. Moi, j'ai été au festival de grenade à Tastour et j'ai pris, j'ai acheté de là-bas 21 kilos pour toute l'année parce qu'on m'a dit la grenade de Tastour, elle peut justement durer jusqu'à... Voilà, se conserver jusqu'au mois de janvier. Donc, oui, ça se conserve, j'ai fait le plein. Ça se conserve très bien. Ça, la peau durcit, mais à l'intérieur reste impeccable. C'est intact. Oui, tout à fait. Et la grenade de Gabès, c'est également quelque chose d'exceptionnel. Oui. Absolument. Il faut être équitable avec toutes les régions, oui, et c'est vrai sûr. Que Tastour fait beaucoup de promotions en ce moment pour ses grenades. Ouais. Alors, pour la gamme automne-hiver, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau du côté de l'espace Richa en quelques mots? Automne-hiver, nous avons la collection cocktail. Nous avons toujours nos jeubes incontournables et intemporels dans une garde-robe, mais une collection cocktail avec l'arrivée... du 31 décembre, et je sais qu'il y a beaucoup de mariages, beaucoup d'événements en hiver aussi, mais également pour tout ce qui est cérémonie soft, un dîner. Nous avons des tenues dans de beaux tissus, mais toujours avec la note tunisienne. Ça peut être une ceinture, ça peut être une chéchille. Et puis pour rebondir sur ce que vous m'avez dit entre les discussions entre nous trois, vous avez parlé d'une jeba en lin que vous avez vue sur la page Facebook d'Espace Riche. Et cette jeba donc en lin se vend avec un mise que j'ai réintroduit, ça fait partie de nos traditions. Et ce mise est en guipure. Et c'est une tenue qui a eu beaucoup de succès au niveau de... C'était à l'ouverture et tout est parti. Alors ça, j'ai intérêt à prendre... Avec plaisir. Bientôt des mises au courant, vous allez voir. Ça veut dire que les Tunisiennes marchent. C'est-à-dire, elles aiment bien ça. Très bien. Alors, vous passez le 19 au musée Safiya Farhat, centre des arts vivants de Rades. Et je m'adresse à Mariam Azizi pour... Andaladino, un concert espagnol médiéval oriental groove, et c'est payant, je suppose. Hein. Oui, donc on a choisi un prix raisonnable. Ça sera l'entrée à 10 dinars, voilà.
ce qui est très correct. Ouais, ouais. Et en même temps, on découvrira un groupe, quatre musiciens et vous-même. Après cela, est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous ? Oui, donc avec l'Espace Carmen, ça va être le 16 décembre. Et puis, je suis en train de démarcher d'autres concerts, bien sûr. Et le but, c'est d'enregistrer aussi un album. Voilà, justement, un album live ou bien un album en studio ? Studio. Studio. Hein. Mm-hmm. Donc, vous restez avec nous de toute façon. Dans quelques instants, nous avons aussi rendez-vous avec Martin Kravitz, un chorégraphe américain qui est actuellement en train d'animer des ateliers à Tunis, du côté du Rio. Et également avec Céline Douce, danseuse et chorégraphe tunisienne. Ils vont nous parler de leur travail en ce moment et de la prestation publique qu'ils donneront le vendredi. Le vendredi, donc, 17 novembre au Rio. Nous allons pouvoir découvrir cela ensemble. Mesdames, vous êtes les bienvenues si vous voulez rester encore un peu. Merci. Et ça nous permettra peut-être d'écouter une seconde fois un de ces chants très particuliers que vient d'interpréter Maryam Azizi en live au studio 1 et a cappella, ce qui n'est pas si simple. Hein. Oui. Ah, ouais, hein, vous nous en ferez une autre tout à l'heure ? Bien sûr, avec plaisir, j'en ai plein. C'est parfait. Alors, vous avez un mot du cœur pour quelqu'un ? Oui, alors j'étais avec mon amie d'enfance, Inès Hassar, et voilà, et en fait, on s'est dit, parce que j'ai invité notre chère regrettée Noura Borsali, qui est sa tante maternelle, et puis on s'est dit, comme elle aime bien ma chanson Ma Liberté, et surtout que je l'ai invitée à mon concert, voilà, Ma Liberté. Alors, aime bien, c'est une chanson que vous lui dédiez, voilà. Une chanson que nous dédions tous. Hein. Et vous voyez, le masculin l'emporte quand même. Là, il faudra revoir un peu la grammaire si ça continue comme ça. Vous êtes trois, je suis un. Le masculin l'emporte. Donc, nous disons un grand salut du cœur à Noura Borsali et cette chanson de Georges Moustaki, Ma Liberté. RTCI nous réunit.